Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brother avec les Sims du Cygne. On se retrouve après une semaine où j'ai publié les épisodes, mais comme je les ai tournés bien à l'avant, je ne sais plus exactement où on en était. Je crois qu'on venait d'arriver dans ce petit bled sympathique là. Il n'y avait pas de contrat, mais on devait finir une quête j'imagine, puisqu'ils ont l'air contents. Ce qui est plutôt cool, on accueille dans notre compagnie Antoine Tessier, le nuque, hein, qui sera à terme un tireur avec ses 3 étoiles, mais pour l'instant, vu qu'il a quand même 56, je lui ai filé une fourche. Ce sera pas plus mal. On avait des niveaux à prendre, donc on va les prendre tout de suite. Voilà, ici une petite attaque, un peu de fatigue, ça me paraît bien. Et au niveau des perks, alors la harle. Ouais, tu pourras devenir un tank, hein. Allez, hop, on va te prendre spécialiste du bouclier. Théo le pourfendeur, il va prendre un petit peu de défense aussi, pourquoi pas. Un petit peu de fatigue, ça passe plutôt bien. On va plutôt te prendre Backstabber, puisque t'es pourfendeur, ça colle plutôt pas mal. Il est que le manchot qui a des bonnes perspectives pour devenir un tank aussi avec ses 2 étoiles. On va lui booster un peu sa vie. Et on va lui mettre bouclier. Et ensuite Antoine Tessier qui prend son premier niveau. Donc on va commencer à lui monter son tir. Hein. Un petit peu la fatigue et sa résolution aussi qui est un peu lamentable, et bien sûr un petit student. Ok, alors très bien. Du coup, je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur les épisodes, ça fait bien plaisir. Alors je croule sous les noms à donner, donc on va essayer de recruter des gens et de devenir un petit peu plus efficace. Vous m'avez conseillé également de jouer un petit peu plus sur le fait d'aller se balader un peu à droite à gauche dans cette zone rouge là pour raider des trucs, parce qu'après tout c'est vrai que c'est le gameplay de ces personnages, hein. Si jamais on attend de devenir pote avec eux, au final on retombe dans une compagnie assez classique, donc on va peut-être essayer de jouer un peu comme ça. Ça pourrait être assez sympa je pense. Là on a globalement de l'équipement, donc je pense qu'on va aller faire un tour à Funchburg. Et on va voir un peu si on trouve des choses sur le chemin. Parce que c'est vrai qu'au final, en raidant les caravanes, il y a quand même moyen de se faire un peu de blé, hein. Un peu d'équipement. Alors, on a aussi toujours destroy des trucs là. Donc, est-ce qu'on peut voir un peu ce qu'il y a là-dedans? Non, on sait que c'est des ruines, mais on va quand même essayer de faire une petite attaque dessus, je pense. Pour voir un petit peu si c'est quelque chose qu'on peut gérer. Merci, on pose. Alors on ne voit pas ce qui se passe, donc on va voir hein, s'ils sont déjà, si des règles dès le début du combat on voit qu'ils sont 20, on va se tirer. Ouais, voilà. Ok, donc du coup c'est clairement pas de notre niveau. Oui, ouais, ça sert à rien de... En plus vu la musique c'est des morts vivants, ça sert à rien d'essayer de s'enfuir, on va pas perdre du temps, on va... recharger la partie, voilà. Bon, va falloir qu'on trouve un endroit accessible pour ça. On verra si on trouve des choses intéressantes. Alors que je passe par là, même s'il y aura probablement pas de quête, parce que tout simplement c'est par la route, ça évite de traverser là, ce qui est un peu chiant. Et en plus, passant par la route, on a moyen de tomber sur des caravanes éventuellement. On n'est que 7, on va pas pouvoir faire des choses de fifou. Mais on va voir quand même, on va voir un peu quelles sont nos possibilités. D'autant qu'on a pas mal de ressources à vendre, hein, donc les grandes villes en général, on peut vendre des trucs assez, de manière assez efficace. On va donc se faire, je pense, un petit épisode de raid. Voir si ça fonctionne. Il y a beaucoup de monde ici. Ok, il y a une caravane et un autre truc qui se barre plus loin. Alors ici, est-ce qu'on peut vendre nos trucs? On peut vendre nos fourrures pour un petit bénéfice.
C'est pas ouf, mais c'était une ville où on pouvait acheter plus ou moins comptant ici, je crois, de mémoire, donc... On peut vendre quelques short swords. Alors là, on a une hand axe, qui est pas une hachette, ça peut être pas mal. Ça, on peut vendre, c'est un peu de la merde. Ça, on va garder au cas où pour d'éventuels copains. Putain, par contre, notre bouffe est un peu en train de crever, là. Ça va disparaître d'un coup. Demain. On va se retrouver sans rien à bouffer demain. On va se permettre de prendre un petit sac de grains. Et ensuite, est-ce qu'on n'irait pas par là-bas? Gasserur 1, ok. Ou alors on va par là. On essaie de se balader par là. On va essayer d'aller par là. Voir un peu ce qu'on pourrait trouver de sympathique. On va falloir qu'on se balade un peu dans les collines et tout si on veut trouver un truc qu'on peut détruire de notre niveau. Sachant qu'on n'a pas trop d'intérêt non plus à coller aux villes hein, parce qu'ils peuvent nous sortir une milice et nous l'envoyer sur la tronche. Et la milice fait quand même, est quand même assez efficace au combat. Ouais, c'est un cul-de-sac en fait ici. Je suis un peu con moi. C'est un petit peu un cul-de-sac. C'est pas grave, on va aller par là, on n'a pas exploré par ici. En plus, il y a encore une grosse ville là-bas. On va pouvoir se ravitailler si jamais notre sac de grains suffit pas. Sachant qu'on avait découvert un autre truc ici, mais à mon avis c'est pareil, ça va être un peu trop badass pour nous. Là on sera sur une bonne route pour aller se balader dans les coins sympathiques. Ici il y a un armurier et un forgeron, ouais ok, c'est pas très très utile dans le contexte on va dire. Par contre on va devoir camper un peu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu un hangar qui a brûlé, ce qui veut dire qu'il y a peut-être moyen de vendre des trucs à des prix sympas. Ouais, en même temps on n'a pas vraiment de bouffe à vendre, hein. On pourrait vendre ça déjà. Voilà, toute notre bouffe est en train de disparaître, ok, ça c'est normal. Ça je pense qu'on peut le vendre à plus de 350. Du coup, tout ce qu'il y a à acheter coûte assez cher. Est-ce qu'on a des mecs intéressants? Ah, on a un apprenti ici qui pourrait être pas mal. Regardez un peu ce qu'il fait de beau. Alors il a plus 25 de défense en mêlée quand il bat en retraite. Ok, c'est pas ouf mais pourquoi pas, au moins c'est pas un truc négatif. On a un joueur ici, ok. Alors les joueurs, je suis pas forcément fan de l'idée. Je crois que les menus on en a jamais pris. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie? Rien. Ok, bon, on va prendre lui, on va regarder un peu ce qu'il vaut. Ce serait un tireur encore, on a déjà beaucoup de tireurs, j'ai pas envie d'avoir 36 000 tireurs. Est-ce qu'il a des meilleures stats que lui? Alors il a des étoiles en vie, des étoiles en fatigue et des étoiles en tir. Lui il a des étoiles en tir, en résolution et en initiative. En plus il a quand même des compétences un peu plus badass. Hein. Non bah je suis désolé mais tu vas dégager. Hop, voilà, c'était pour voir, ça valait pas le coup. Oh, on a carrément un noble aventurier, hein, donc ça c'est pas de notre niveau pour l'instant. Donc au niveau de la vente, on a dit qu'on pouvait pas faire mieux. On va essayer d'aller faire un tour par là-bas. Voir si ce truc qu'on a découvert est un petit peu moins badass que les ruines de tout à l'heure. Parce que même si c'était 21 pauvres morts vivants, ça pouvait être violent. Hein. Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on se balade, la Harle se fait frapper par un Birdshite. Ok, donc il s'est fait chier dessus, très très bien. Est-ce que ça pourrait être un signe? Ou alors, on fait comme si c'était rien et on avance. On va demander si ça pourrait être un signe.
Alors, on a Théo le pourfendeur, ah oui, qui est superstitieux, qui analyse la merde, hein, faut le dire, avec l'œil d'un geôlier, pas très bien. Et il dit que c'est une bonne chose. Et devant la tête clairement pas très très convaincue, on va dire, de la compagnie, il explique calmement que se faire chier dessus par un oiseau est un signe que de bonnes choses vont arriver. Et il y a quelques mercenaires qui sont convaincus. Ok, donc on a Larl qui est dans un bon état d'esprit, on a Théo qui est content. Ok, et eh ben très très bien. Le signe, si jamais ça vous arrive dans la vraie vie, vous saurez, hein, se faire chier dessus par un oiseau, c'est éventuellement intéressant. Oula, 8 Nashareurs, c'est peut-être pas de notre niveau ça. Bon, ils sont pas agressifs. Alors, on a un nécromancien. Ouais, non. Beaucoup trop de morts-vivants dans cette zone. Ah, ici, il y a des trucs éventuellement à buter. Et des brigands, intéressant. On va peut-être pouvoir se faire quelques brigands. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un marksman, quelques thugs et des raiders. Ça, je pense que c'est carrément de notre niveau, par contre. Oh, ouais, enfin après ça dépend, hein. S'ils font des gros coups critiques des familles comme des porcs, ça pourrait vite ne plus être de notre niveau. L'autre il s'est bien planqué derrière ses herbes, ok, très bien. Alors ce qu'on pourrait faire du coup, c'est remonter là. Et se replacer. Donc toi tu vas attendre. On va se placer un petit peu plus planqué derrière les herbes là. Parce que l'autre il fout sa merde. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer ici. Beaucoup de fléaux, il faut qu'on fasse gaffe. Heureusement, on a quand même des gens capables. Voilà, toi tu vas reculer ici et faire un petit mur de pique. Parfait. Toi tu vas reculer même là. Pour être vraiment bien planqué. Là où il faut. Hop. Toi tu recules là et tu vas nous faire un petit mur de bouclier. Et toi tu vas reculer ici. Quoique ici c'est quand même un petit peu exposé, on va voir. Donc il va devoir avancer. S'exposer un peu. Ici. On va attendre. Tiens. Ils avancent pas des masses. Hein. Ils veulent attendre qu'éventuellement on s'approche peut-être. Intéressant, intéressant. Donc là je peux lui tirer dessus mais les chances de toucher sont pas ouf. Ici on va tenter un petit tir dans le tas. Oh pas mal ça, c'est propre. Alors ici, on va tenter un petit coup et on va lever le bouclier nous aussi. Ici. Voilà, un bon coup des familles. Donc là on est déjà fatigué, on va attendre un peu de voir comment ça se passe. Ici on va relever le bouclier et attendre. Alors là on peut peut-être finir celui-là, mais un dommage. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais, il allait venir là. Alors là on peut faire un mur de pique avec ça, c'est pas très utile. On va essayer de taper sur l'autre avec sa grosse hache. Ça me paraît préférable. Lui va se mettre devant l'archer, normal. Alors là, on va lever le bouclier. Et toi, mets un gros coup sur sa tête, merci. Ok, lui il avance jusque là, direct. Très bien. Ici, on peut décapiter ce monsieur. Et patienter. Alors ici, au niveau des tirs. Ah, malheureusement, on peut pas. Je vais essayer de tirer sur lui parce que... mine de rien, on est au contact et c'est pas forcément idéal avec Antoine Tessier là. On tape, putain ils ont des bonnes armures. Ok, avec ça, il nous a raté, ça c'est plutôt positif. Ah, on le rate aussi.
Alors là, on peut peut-être essayer de terminer celui-là. Voilà, parfait. Le moral va commencer à chambranler un peu. Un petit coup de lance. Rah, on n'a pas réussi à se le faire, merde. Ici, si j'avance, je peux pas taper, donc ça me paraît pas forcément utile. On va se contenter de monter le bouclier. Ouais, là forcément, il nous tire dessus. Ah, quand même, on va réussir à faire des trucs avec lui. Alors, là on a 52% de chance et 42%. Bah, limite, on a plus de chance de toucher celui-là, donc on pourrait même le repousser. Voilà. Ah, il y a des petites javelines. On va essayer de mettre une flèche sur sa tronche, ratée. Ouais, on est très fatigué avec Méridion forcément. Bon là j'ai l'impression qu'il faut qu'on avance par contre. Voilà. On fout un petit peu de saignement. Ici, on le termine. C'est pas si mal. Donc lui va réavancer mais du coup... Oh la vache! J'allais dire il peut toucher qu'un coup mais... Il l'a foutu au sol. Bordel. C'était la violence ça. Bah du coup je peux venir ici mais c'est clairement pas dingue. Donc toi tu vas attendre un peu histoire qu'on se replace. Voilà, donc là on avance. On va lâcher le clébard direct. Là lui il s'enfuit, c'est parfait. Bordel. Ici on va essayer de lui mettre deux flèches dans les fesses, raté. Par contre on peut peut-être réussir une petite décapitation. Non, dommage. Il résiste avec son bouclier l'autre là. Ah, lui a décidé de s'enfuir. Pas si mal, ok, parfait. On a réussi à lui faire suffisamment mal pour qu'il s'enfuit. Donc là, on peut même prendre un petit couteau et se reposer. Des fois qu'on arrive à sauver un peu l'équipement. Là, par contre, 10% de chance de toucher, c'est un peu merdique. On va se reculer un peu. Je pense pas qu'il aura particulièrement envie de nous tirer dessus, on va se rapprocher au cas où. Ici pareil, on a possibilité de récupérer un peu d'équipement. Ok, parfait, il est mort. Et par contre, arrive à se tirer. Le chien va le rattraper assez vite. Ouais, là, voilà, il a pu faire son tir, mais maintenant, il l'a dans l'os. Ok, c'est pas si mal. Vache hein. Il agile ce con. Parfait. C'est propre. Là, on le poursuit. On est fatigué. Donc la poursuite va être un peu longue. Surtout qu'il arrive, hein. Non, non, on va le poursuivre. Hein. Faut qu'on arrive à récupérer un peu de son équipement quand même. Il va bien un moment, il va se fatiguer lui aussi. Il va par là pour éventuellement lui couper la route. Putain, fumier quoi.
plus il est fatigué, mais pas tant que ça. Hein. Bon, je vais peut-être pas le poursuivre 100 ans. Ah, là j'ai réussi à me coller à lui, c'est cool. J'ai pas de tir. Si je monte de toute façon, j'en ai pas plus. On lui colle aux fesses, hein, mais il résiste. Oh là, c'est dingue. Costaud de son armure, ce con. Allez. Attaqué, fatigué. Allez, on y est presque à le rattraper. Ok, il a raté, parfait. Le chien va peut-être finir son casse, non ça va. Celui-là on va le cerner tout simplement. Ça fera déjà le job. Bon là on lui a laissé une ouverture. On va essayer de la fermer. Donc, toi tu vas aller là. Et toi, tu vas... Ah merde, tu peux pas. Bon, il va essayer de se tirer, je pense qu'on va le buter. Voilà. Donc Antoine Tessier, qu'est-ce qu'il récupère? Traumatisé, 40% de réduction, 30% d'initiative, mais il a survécu. Bien joué. Alors on récupère un petit arbalète, un petit peu d'armure quand même, quelques casques pas inintéressants, un gros bouclier, et un peu d'équipement. L'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal. Je trouve, moi en tout cas. Alors par contre niveau blessure on a souffert, hein. On va pas dire le contraire, on n'a pris aucun niveau. Mais on a moyen. Alors du coup, niveau équipement, ça c'est du 110. Hein. Donc là, voilà, t'es notre meilleur barbare, hein. Donc tu vas prendre ça. Là on a déjà ce qu'il faut, ça c'est déjà du 95. C'est du 75, donc tu vas prendre ça toi. Ici on a du 65, on a dessus du 80 toi mon cher. Toi t'as déjà du 80 et toi t'as déjà du 80, ok c'est pas mal. On va prendre des fléaux un peu plus efficacement. Et ça c'est vrai que c'est marqué. Ok, ouais, ça ignore le bouclier, ce truc-là. J'avais complètement oublié ça, vous me l'avez remis dans les commentaires, et c'était effectivement très judicieux, parce que j'avais complètement oublié que ce machin-là permettait de contourner les boucliers, en fait. Du coup, c'est très très puissant au début, quoi. Enfin, même pas qu'au début, d'ailleurs, mais particulièrement au début, on va dire. Bon, par contre, on est un peu blessé, hein. Au niveau des casques, on peut te donner ça, toi. Tu seras un peu plus protégé. Toi aussi. Hop. En attendant d'avoir un truc de pouvoir tirer. Par contre, on est effectivement un peu blessé. Donc on va pas poursuivre ces saloperies, quelles qu'elles soient, dans leur forêt. On va essayer de voir si on peut remonter la trace des brigands et trouver leur camp de base. Avec un peu de bol, il sera attaquable. Ah, les traces se dissipent, mais ça venait plus ou moins de là. Ok, c'est là. Alors, on a un pocheur, un marksman et quelques raiders. Alors, malheureusement, on est dans le mal. Là, on est déjà quasiment remonté full vie, mais ouais, lui, il est quasiment mort. Ici, on n'est pas trop bien non plus. Ouais, non, il va falloir qu'on campe. Tant pis. On va aller se mettre dans ce petit coin. On va sauvegarder. Et on va camper un peu. Profiter du fait qu'on a récupéré de la bouffe, ça permettra de réparer et de soigner nos gars un peu plus, plus sereinement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc lui est revenu toute sa vie, il a plus que ce truc là, 15% d'initiative ça va, lui il a la même, mon 15% d'initiative ça va. Ça c'est un peu pourri par contre, mais bon on peut faire avec.
Et Antoine, il faut qu'il remonte encore un peu sa vie. Notre nourriture tombe, mais il y a de bonnes chances qu'on en trouve là. Bon, il a refait sa vie. Le problème aussi, hein, c'est que plus on attend, plus ils vont se refaire. Donc là, on a... Oh merde, il y a des barbares qui arrivent. Quelques thralls et quelques rivers. On n'en a jamais affronté encore, mais quelque chose me dit que ça pue du cul. Ils traversent le campement ou pas? Ouais, et ils nous poursuivent, hein. Ouais, merde, fait chier. Ah, ça tombe super mal ça. Bon, on va essayer de se tirer pour aller au sud plutôt. On les perdre dans la forêt. Oula, c'est quoi ce truc là? On va se barrer par là. On scud. Donc là il y a des orques. Là du coup on devrait être bien soigné, hein. Voilà. Par contre ils sont peut-être refaits, non ça va, ils sont pas mieux. Oh mais putain, encore d'autres barbares, vous êtes sérieux? Bon, on va sauvegarder, attaquer le camp. Ok, donc visiblement là-haut là il y a un truc de barbare, hein, parce que purée, c'est le drame. On va choper ce truc là en speed pour faire notre ambition, et après on va essayer de se tirer de ce coin pourri. Ok, lui il prend direct de la hauteur. Allez, c'est de la merde cet endroit là. Très clairement ça pue du fion. Alors où est-ce qu'on pourrait se replier? Parce que là clairement c'est merdique, hein. Ou alors on charge. On pourrait charger. On pourrait complètement charger. 33% de chance, ouais, avec le moins 25% il fait mal, hein. Essayer de repousser celui-là, là on avance, ici, on lui met un coup sur sa tronche, voilà. Ici on avance, et on sera dommage, ici on avance, on lui met un coup, et est-ce qu'on lâche le chien? Peut-être pas tout de suite, non. Ah, dommage, on rate. Oh la vache, on rate deux coups avec des très bonnes chances de toucher, c'est bien dommage, on va essayer de le repousser. Ok. Ça c'est un truc à deux de distance, faut qu'on fasse gaffe. Ok, on va reprendre ça, parce qu'il joue largement avant nous. Avec notre base d'initiative, mine de rien, ça se voit. Ici on va aller par là et tenter une flèche, rater. Oh la vache! Ça c'est un coup de fumier ça, 66% on se rate, on va se prendre un coup de hache, attention. Ok, ça va, c'est pas pire. Un mort, toujours ça de pris. Alors lui, il fait chier, on va donc avancer par là. Tenter un coup sur la tête, raté malheureusement. Alors ça m'emmerde un peu parce que... Oh, fuck quoi. Voilà, ça c'est propre. 30% de chance, 30% de chance, raté. Alors lui il me fait un peu peur là. Ok, les tirs qui foirent, ça va. Hop, on va sortir le bouclier même s'il est un peu endommagé. Euh, 24% de chance, c'est pas ouf très clairement, mais on n'a pas beaucoup mieux, sauf si on compte tirer sur nos potes. Si on peut tirer là, c'est un peu mieux. Voilà, parfait. Ok, ils en veulent la harle. Bon, bah ça me va, c'est pas plus mal. Voilà, on va essayer de faire tomber son bonus de bouclier à lui.
Tac, parfait. Du coup, on peut aller taper sur lui aussi. Le bouclier tombe là, c'était malheureusement prévisible. Oh merde! Putain, il a vraiment, vraiment du mal, hein, le pauvre Antoine Tessier là. Je suis vraiment désolé pour toi, Antoine Tessier, mais. Le jeu t'en veut, hein, parce qu'un coup critique là, alors qu'il y a des gens pour te protéger devant et tout, c'est vraiment merdique. Hein. Vraiment, vraiment merdique. Plus un coup critique de la. De l'arme d'Ast. Ici, on va prendre ça et on va essayer de buter ce con. Oh putain, 75% de chance, on touche, on rate deux fois, vous êtes sérieux? Putain, c'est ouf. Là, on touche au moins, ok, toujours ça de prix. Là, faut qu'on essaye de buter celui-là. Oh, non, ou alors on se rate, éventuellement aussi. Bon, c'est déjà ça de prix. On va se coller à lui pour avoir un peu moins de chances de se faire toucher. Par contre, j'aurais bien voulu pouvoir lâcher les chiens, mais bon. C'est la vie. On va tenter un tir ciblé sur celui-là. Ok, c'est propre. Là, on n'arrive pas à le buter. Ok, parfait. Oh là là. Eh, mais après, on rate tous nos coups à 75% aussi. Hein, donc forcément, ramenez lui là. Lui, c'est ouf tout ce qu'il a esquivé. Hein. Franchement, il devrait être mort depuis des plombes. Hein. C'est abusé, quoi. Alors là, on va essayer d'avancer un peu. Lâcher le clébard. Voilà. Et là, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On va essayer de lui taper dessus, hein, mais... Le mec, il va être capable de tanker à lui tout seul la moitié de mon équipe, quoi. Comme c'est parti. Allez, on va sortir le couteau. Même le chien il se rate, mais sérieusement. Là on va emmener des renforts, j'ai l'impression qu'on va galérer contre lui. Ouais. Ici on va se reposer, ici on va tenter une petite flèche mais nos chances de toucher sont vraiment lamentables. Ici on va se reposer aussi, on va essayer de gagner un peu de fatigue pour pouvoir taper avec la dague là. Là par contre faut le buter lui. Oh, on a détruit son armure avec notre pic, ben tant pis. J'ai envie de dire au moins... On a détruit son armure. 19% de chance de toucher, putain. Oh là là. Le tank de l'enfer, quoi. Tout ce que je voulais, c'était casser son bouclier, mais visiblement, c'est pas facile, hein. Ouais, bouclier, bouclier, très bien. Au moins il est incapable de faire autre chose que son mur de bouclier. Là on a un petit tir ciblé. Allez. Non, c'est vraiment pas possible. Non, bon. On va essayer d'économiser un peu de fatigue, peut-être que si on peut le repousser, ça peut le faire. J'y crois pas trop, donc lui il a plus de munitions. Ici on se repose.
Au moins, il est suffisamment en panique pour pas nous toucher. Ça me ferait chier que le mec il soit capable de nous buter toute notre équipe alors que nous, on lui met pas un coup, quoi. Voilà, au moins il est tombé. Hop, voilà. Et si on descend... Oh là là, mais non, mais sérieux, quoi. Hop là. Ouais, là, si on n'arrive pas à le finir, ouais, voilà, je le finis à la lance, tant pis. Bon, bah, on a perdu la harle sur cette histoire de con là. Lui, il a les poumons totalement défoncés, une blessure permanente et une deuxième blessure permanente et tout le reste. Franchement, j'ai l'impression que le jeu m'a un peu trollé hein, sur cette phase. Donc je pense que je vais peut-être rejouer ce combat, quoi. Parce que sérieux, les coups, les 6 ou 7 coups d'affilée à 75% qui ratent, je veux bien perdre des abonnés là-dessus, mais sincèrement, c'est abusé. En plus, on a lui qui va se tirer, il est blessé à mort et totalement foutu. Ouais non, c'est de la merde, hein. C'est vraiment de la merde. Mais bon, de toute façon, on va arrêter l'épisode là-dessus pour l'instant. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous pensez qu'on devrait le refaire ou pas. Et dans tous les cas, bah, je vous dis à très bientôt pour la suite. Hein. Merci à toutes et à tous.